Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle diffusion de Fallout 4 hein, sur le DLC Fort Harbor. Alors, je vais continuer un peu ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire d'essayer de récupérer les fichiers de Dima qui sont dans le bunker où sont installés les enfants d'Atom. Voilà. Donc beaucoup de radiation en perspective. Et chez chacun d'entre nous, je pense. Voilà. Alors j'étais revenu ici pour faire le plein. Oula, merde. C'est ça que je voulais utiliser. Bon, ça arrive à une petite erreur de temps en temps. Alors, Commonwealth, non. Il faut que je retourne. Hop. Chez les enfants d'Atom. Alors je suis un peu désolé si les jours de diffusion sont un peu chaotiques. En ce moment la santé ça va pas fort et la chaleur n'arrange rien du tout. Mais j'espère quand même au moins terminer assez rapidement Dead Rising 4. Quitte à même faire un enregistrement sans commentaire, voilà quoi. Vous êtes de retour. C'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'Atom vous a révélé quelque chose? J'ai bu l'eau de la source et une femme m'a montré cette icône. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme? Elle vous a montré cette icône? Quelle femme? Qu'avez-vous vu? C'était comme dans un autre monde. Cette femme, elle était comme une ombre vivante, entourée de brouillard. Atom tout puissant. Vous l'avez réellement vue? La mère du brouillard? La mère est une messagère d'Atom. Elle sert de guide à ceux qui ont une place importante dans ses plans et l'avenir de cette famille. C'est elle qui a mené le premier d'entre nous ici. Et si elle s'est montrée à vous, alors je pense que le chemin qu'il vous a réservé est clair. Si vous êtes d'accord pour passer à la prochaine étape, je pense qu'une place vous est réservée parmi les enfants d'Atom. Oh là là. Je peux vous poser quelques questions avant? S'il le faut vraiment. Vous voulez bien me dire ce qui s'est passé avec ces deux enfants à mon arrivée? La survie de notre famille repose sur la confiance. Nombre des habitants de cette île seraient prêts à nous tuer sans raison. Ces deux enfants devaient prouver qu'ils étaient dignes de confiance. L'un d'eux y est parvenu. Qu'est-ce qui m'est arrivé à la source exactement? Il semblerait qu'Atom vous ait transmis une vision. Seuls les êtres jugés dignes de rejoindre les rangs de ses enfants en reçoivent. Et survivent. Mais certains privilégiés reçoivent. Bien plus encore. Un messager. Ou dans votre cas, la mère. Je n'ai pas d'autres questions. Vous allez donc prendre la place qui vous revient parmi les enfants d'Atom. J'accepte de suivre son chemin. Qu'il en soit ainsi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On les connaît à peine. Entrez et présentez l'icône au grand confesseur après son sermon. Ça devrait l'intéresser au plus haut point. Une fois que vous lui aurez parlé, revenez me voir. J'aimerais vous confier une tâche. Et voilà pour vous. De quoi vous rendre plus présentable. Mais retenez bien une chose. Nous sommes tous de fervents serviteurs d'Atom ici. Messager ou non, aucune action à l'encontre de la famille ne sera tolérée. Bienvenue parmi nous, mon frère. Alors, résistance de radiation, ouais, bon. Alors, j'ai pas trop compris ce qui m'arrive.
super, j'ai un de ces bugs. Bug là, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Il me semble que le confesseur arrive à la fin de son sermon. Vous feriez bien d'entrer. C'est là où je regrette vraiment de ne pas avoir d'armure assistée. Ils sont condamnés, frères et sœurs, et ils le savent. Les habitants de Phara paquet de radiation ici. N'ont qu'à regarder par la fenêtre. Alors... Pour voir le visage d'Atome incarné dans son brouillard sacré. Et pourtant, le règne d'Atome sur cette terre a beau être inévitable. Il continue de le nier. Il se moque de nous derrière leur condenseur. Il tue nos missionnaires. Et il martyrise tous ceux qui veulent leur apporter la lumière. Il est temps que cela cesse. Après des années à nous cacher dans l'ombre tels des chiens battus, nous savons enfin ce que nous avons à faire. Et j'ai la certitude que la clé de notre victoire finale se trouve ici, dans le noyau. Nous allons mettre la main sur les secrets cachés par ce maudit robot. Et nous en ferons usage pour rayer Phare à bord de la carte. Le brouillard d'Atome envahira ces rues. Son saint brouillard purgeant la terre de son hérésie. Et quand enfin recevrons la fragmentation, ce sera en héros. Frères et sœurs, une aube nouvelle s'annonce. Gloire à Atome! Ah, j'avais entendu dire que nous avions un nouveau converti. Bienvenue, mon frère. Quel effet cela fait-il de prendre sa place parmi les élus d'Atome? C'est un honneur, grand confesseur. Je suis heureux que vous le preniez ainsi, car beaucoup de gens ne tient la poitrine comme ça, c'est la grâce d'Atome. Permettez-moi de vous poser une question. Vous avez vu Phare Arbor, n'est-ce pas? Avec les barrières qui ont été dressées contre le brouillard sacré d'Atome, ces impies refusent de quitter ce qui est clairement son domaine. Que feriez-vous d'un tel endroit? Je ne sais pas ce que je ferai. C'est compréhensible. Mais lorsque vous affrontez un ennemi qui ne rêve que de vous traquer, vous malmener et vous dérober ce qui vous appartient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Se défendre. Des années durant, mon prédécesseur a tenté de faire la paix, tandis que Phare Arbor fortifiait son bastion hérétique. Nous avons essayé de les aider, de leur apporter la lumière d'Atome. Et bon nombre de nos frères y ont laissé la vie. Mais maintenant que je suis grand confesseur, ce temps est révolu. Tous les ennemis d'Atome, que ce soit les habitants de Phare Arbor qui se cachent en tremblant derrière leur précieux condenseur, ou ce vieux robot qui dissimule ses souvenirs chez nous, tous finiront par comprendre qu'Atome est le seul et unique maître de cette île. Mais il nous faut être unis pour réussir. Atome exige la dévotion de tous ses enfants. Acceptez-le, et tout se passera bien pour vous. Aviez-vous besoin de quelque chose? Alors... J'ai trouvé cette icône. Le grand dévot m'a dit qu'elle devrait vous intéresser. Est-ce que c'est... la mer? Ainsi les murmures disent vrai. Vous avez vu la mer du brouillard? Nombre d'enfants d'Atome passent leur vie entière à espérer un tel signe. Tout porte à croire qu'ils fondent de grands espoirs en vous, mon enfant. Et moi aussi, désormais. Vous fallait-il autre chose? J'aimerais aider la famille. Je peux faire quoi que ce soit? En effet. Il y a un membre de notre petite communauté que je soupçonne depuis quelque temps. L'enquête que j'ai menée à son sujet n'a rien donné. Mais, comme vous venez d'arriver ici, cela pourrait vous aider à découvrir la vérité. J'aimerais que vous enquêtiez sur cette personne.
Si jamais vous découvrez la moindre preuve d'hérésie ou de déloyauté, apportez-la moi. Montrez-vous digne de confiance, et je saurai vous récompenser comme il se doit. Vous avez parlé d'une récompense ? Il existe une relique, une capuche sacrée qui fait partie de mes biens les plus précieux. Faites ce que je vous demande, et elle est à vous. C'est comme si c'était fait. Excellent. Apportez-moi tout ce que vous trouverez, à moi et à moi seul. Voilà la personne en question. Ne laissez rien au hasard. C'est votre chance de prouver votre valeur auprès d'Atom. Alors, c'est quoi l'autre mission que j'ai ? Aider le courant qu'on... D'accord. Alors, la note du grand confesseur. Robert. Vous êtes là. J'ai une tâche à vous confier. Quel genre de travail ? C'est une affaire d'hérésie qui doit être réglée. Je suis prêt à servir, grand dévot. Il y a une femme, l'une des nôtres. Ou du moins, elle l'était. Elle s'appelle Gwyneth, mais elle s'est laissée corrompre par quelque chose d'obscur. Le confesseur a ordonné à la dévote Till de la suivre, mais cette hérétique a réussi à lui échapper. Et maintenant, Gwyneth profane nos sites sacrés avec ses délires, n'hésitant pas à railler ouvertement Atom. Le grand confesseur veut que nous la retrouvions. Et que nous l'exécutions. Il ne serait pas possible de lui parler. Peut-être qu'elle entendra raison. Je ne vais pas vous mentir. La sœur Gwyneth était une fidèle exemplaire. Mais quoi qui ait pu la rendre folle, je ne crois pas qu'il reste grand-chose d'elle. Quoi qu'il en soit, le grand confesseur a tranché. Renier Atom est un péché bien trop grave. Nul ne peut rejeter sa grâce sans conséquence. Je la retrouverai, grand dévot. Bien. Allez voir la dévote Till. Elle devrait pouvoir vous aider à retrouver la trace de Gwyneth. Allez. Et dispensez le jugement d'Atome sur l'hérétique. Bon. Alors, ce que veut Atome. Alors... Déjà faire la chasse aux sorcières. Ah, oui, merci d'être venu. Je suis... J'arrive de là. Ah, Steam Pack, ça c'est bien. Votre compteur a pas l'air très joyeux. Ouais, c'est pour ça que... D'ici. Ah, notre famille s'est encore agrandie. Bien. Il y a 5 secondes.
vous cherchez la crypte, vous vous trompez de chemin. C'est moi qui en ai la charge. Si vous touchez quoi que ce soit, je vous arrache la main. C'est bien compris? Pourquoi construire une crypte au sous-sol? Vous n'avez pas toute la base? Pour que nos frères défunts puissent baigner dans son rayonnement, près de leur famille. Le seul endroit où un enfant devrait passer l'éternité. Un véritable honneur, refusé à beaucoup trop. Parlez-moi du sous-marin. Ces armes n'ont jamais servi, si c'est ce que vous voulez savoir. Il n'est même jamais sorti de la baie pendant la grande fragmentation. Tant mieux. Il a été préservé pour nous. Vous avez dit que vous étiez chargé de veiller sur cet endroit? Le vaisseau, oui. L'une des plus puissantes sources de rayonnement sur une île qui n'en manque pas. Je suis chargé de veiller sur lui. Si vous causez des problèmes, vous devrez en répondre devant moi, puis devant Atome. Il pourra s'amuser avec ce qui restera de vous. La grande fragmentation. Qu'est-ce que c'est que ça? La grande fragmentation d'atomes. Il y a 200 ans, des millions d'êtres de par le monde ont eu la chance de renaître en une fraction de seconde. De se donner à atomes. C'est ainsi nous prenons notre temps. Une exposition prolongée au rayonnement. La longue fragmentation, disons. Et les ogives nucléaires du sous-marin, vous ne pouvez pas les utiliser? La clé de lancement a disparu et impossible de pirater le système. Vous pouvez me croire, c'est pas faute d'avoir essayé. Pourquoi refuserait-on à quelqu'un sa place dans la crypte? Vous avez déjà été là-bas, n'est-ce pas? Cet endroit est dangereux. Trop proche de la mauvaise communauté, perdu pour la famille. Qu'Atome vous vienne en aide. Vous avez regardé Tectus de travers. Vous n'aimez pas beaucoup Tectus, hein? Et pourquoi pas? Ce type est un foutu. Pardon. Tectus est quelqu'un de très bien, mais je crois que vous feriez bien de partir. Ouais. Et je crois que je vais prendre du Radaway, du Radix et un Steampack. Pas pourquoi le Radaway il ne fait strictement rien. Ah d'accord, il y a ici le truc. Alors, tout inquiète trop, même un style grand confesseur encore du mal à se mettre à un. Elle. C'est glauque, hein. Bizarre derrière le mur. Le Devoware s'intéresse un peu trop au jeune frère Devo. Je me demande si c'est parce qu'il a l'intention de se joindre à lui. Respectez ces lieux. Vous êtes dans un sanctuaire sacré. Ouais. Mais le Devoware, où est-ce qu'il est?
je vais pas m'asseoir sur le banc. Atom nous a tracé la voie à suivre. Il suffit de trouver l'outil. C'est Robert. J'ai trouvé cette note que vous avez écrite au sujet du grand confesseur. Ce genre de choses pourrait vous valoir de gros ennuis. Ma note. Écoutez, j'avais perdu la raison. Le grand confesseur est un homme bon. Jamais je ne... Je vous en prie, rendez-moi ma note et je la détruirai. S'il vous plaît, faisons comme si ça ne s'était jamais produit. Je vous en prie. Écoutez, quoi que je fasse, vous êtes en danger ici. Il faut que vous partiez. Et tout de suite. Merde, vous avez raison. Merde. Laissez-moi juste un peu de temps avant de dire quoi que ce soit, d'accord ? S'il vous plaît. J'ai l'impression que le Radix, ça ne fait strictement rien, quoi. C'est... vraiment horrible. Bonjour, mon enfant. Vous fallait-il quelque chose ? Ces souvenirs auxquels vous souhaitiez accéder ? J'ai trouvé un moyen de les débloquer. C'est vrai ? Atom soit loué, mon enfant. Je ne peux qu'imaginer ce que vous avez dû faire pour vous procurer un tel renseignement. Mais comprenez bien que vous devrez m'apporter tout ce que vous découvrirez. J'ordonnerai que l'on vous laisse tranquille. Et prenez garde, car nous avons déjà perdu trop de frères en essayant de percer les secrets de cette machine maudite. Bonne chance. Excusez-moi, grand confesseur. Oui ? Qu'y a-t-il, mon enfant ? Alors... Je voulais vous parler de la sœur Robert. Oui. Dites-moi, qu'avez-vous découvert ? J'ai enquêté sur la sœur Robert, mais sa loyauté est irréprochable. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment ? Je dois dire que cela me surprend. Enfin... Merci tout de même. Voilà un poids que je n'aurais plus à porter. Tenez, voici pour vous.
Nous n'oublierons pas de sitôt tout ce que vous avez fait au service d'Atom. Alors ça fait quoi ce truc? C'est moche. Le grand dévouer, super. Le vaisseau est d'une beauté inouïe, n'est-ce pas? Une machine vouée à répandre le rayonnement d'un peuple. Vous avez déjà fini vos prières? Pardonnez-moi. Gloire à Atom, mon frère. J'imagine que c'est à vous que Rector a demandé d'aller à la source. Vous n'avez pas le regard vide, ni la bave aux lèvres. Alors, j'imagine que ça s'est bien passé. Quelle vision le Saint Atom vous a-t-il donnée? Une femme. Elle m'a montré un petit hôtel. Le grand dévot m'a dit qu'il s'agissait de la mer du brouillard. Hein? Vous... Vous avez vu la mer? Mais comment... Enfin, ce n'est pas à nous de remettre en question les voies d'Atom. Si les autres dévots ou moi-même pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, il vous suffit de demander. C'est le grand dévot qui m'envoie. Dites-moi tout ce que vous pouvez sur la sœur Gwinnett. Très bien. Le grand dévot vous l'a sûrement déjà dit. Mais Gwinnett était autrefois un membre très dévoué de notre ordre. Malgré son humeur changeante, elle était très appréciée, en particulier par le grand dévot. Il l'aimait vraiment beaucoup. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se détourne du Saint Atom. C'est moi qui étais chargée de retrouver Gwinnett. Mais elle a toujours eu une longueur d'avance. J'ai honte d'admettre que j'ai échoué. Je trouverai sœur Gwinnett. Par la grâce d'Atom. J'espère que vous réussirez là où j'ai échoué. Vous devriez commencer par examiner les lieux sacrés. Vous trouverez peut-être un indice qui nous a échappé. Gloire à Atom. Si au passage je pouvais trouver une armure assistée, ce serait même encore mieux. Ah, oui, merci d'être venu. Je suis sûr que je pourrai toujours. Faites attention à vous. De nombreux dangers nous guettent dans le brouillard. Que je puisse me téléporter.
passer niveau 31. Fragments de tissu arrachés d'une sorte de bannière. On dirait qu'il manque des morceaux. Là, j'ai l'impression de me diriger vers un camping. Que le Radix ne fait strictement rien. La station Waketak, elle a dû dresser un campement pour se réfugier. En tout cas, la voie est toute tracée. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est pas loin? L'ultrajet dedans parce que j'en aurais aucune utilité sauf si ça se vend cher. Ah ouais, ça peut se vendre cher. Je vais me faire dealer avec tout ce que je ramasse. Hein. Compact au radium, ça c'est bien.
ça. Bon, c'est pas grave, en principe je reprends. Ont été diffusés. Je me rends bien compte que cela pourrait me coûter la vie. Je lisais un vieux livre d'avant-guerre quand je l'ai vu. Atome. Un petit grain de matière perdu dans une profondeur infinie. Le vaste néant qui est en chacun de nous. Cela n'a fait que confirmer ce que je ressentais déjà. La vérité que le confesseur voulait cacher. Atome n'est qu'un mensonge. Ça n'a rien de réel. Nous ne sommes pas des mondes infinis, mais des espaces vides, morts, glacés. Nous sommes le néant. Le confesseur sera furieux en voyant mes messages. Mais je n'ai pas peur. Je vais commencer à déménager certaines choses dans la vieille église, près de la voie d'accès à l'ouest. Au cas où il déciderait de se joindre à moi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Encore être sauvé des mensonges d'Atome. Voilà. Oh, en plus, ça vole très bien, Lou. J'ai encore le truc où il se tient le bras. Ça, c'est bizarre, mais bon. Alors, en fait, c'est là-bas. Gwyneth. Stop! Vous êtes sur un lieu sacré. Que faites-vous ici? Êtes-vous en quête de la vérité du néant? Les enfants d'Atome veulent vous tuer. Vous devez arrêter de profaner leur lieu de culte. C'est impossible. Ma mission dépasse de loin ma propre existence. Elle mérite tous les sacrifices. Les enfants d'Atome ont été trompés par Martin, par Tectus. Leur croyance n'a aucune valeur. Elle n'a pas lieu d'être. Ce qu'ils essayent de vous cacher, c'est qu'Atome n'est qu'une poussière microscopique dans le vaste univers du néant. Le néant est la véritable nature de l'existence. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un vide si gigantesque et si sombre, comme un ciel nocturne sans étoiles. Je sais que c'est difficile à accepter, mais vous n'avez pas d'autre choix.
Personne n'a d'autre choix. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Vous n'avez pas les idées claires, et si vous continuez comme ça, vos délires finiront par vous tuer. Il faut tout arrêter, Gwyneth. Vous pensez que c'est ce que je voulais? Que j'avais envie d'abandonner ma famille? Mais... je ne peux plus revenir en arrière, maintenant. Vous ne ferez pas de vieux os si vous restez ici. Vous devez quitter cette île, pour toujours. Ce que vous dites a du sens. Si les enfants d'Atom sont incapables d'ouvrir les yeux, je pourrais peut-être répondre la bonne parole ailleurs. Oui. La volonté du néant m'apparaît plus clairement maintenant. Je dois montrer la vérité à tous ceux qui veulent l'entendre, même si je dois aller à l'autre bout du monde. Vous devriez dire à Richter et à tous les autres que je suis morte. Je ne veux pas qu'ils essaient de me suivre. Merci de m'avoir ouvert les yeux et montré le chemin. Et au revoir à l'intérieur. Du bordel. Intéressant. Bah rien intéressant. Si on fouille pas, on ne saura pas. Génial. Impression de voir un chef d'orchestre à l'œuvre. Alors, du foot, ça. Ok. Ah zut, je l'ai cassé du premier coup. C'est bon. Voilà. Ensuite. J'avais pas vu ça. J'ai essayé de montrer la vérité aux enfants d'Atom, mais ils ont refusé d'ouvrir les yeux. Il ne me reste plus qu'à transmettre cette vérité à leur maintenant. Voilà, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? On va retourner là-bas. Ah, en fait, le fusil Tesla, il faut l'utiliser quand il y a des combats en groupe. Ok.
importe. Nous sommes. La justice d'Atome doit être rendue. Sœur Gwyneth ne vous posera plus de problème. Elle a creusé sa propre tombe. Inutile de me donner les détails. Je préfère ne pas savoir. Je vous félicite. Vous avez prouvé votre dévotion, et plus important encore, votre loyauté. Qu'Atome vous bénisse aujourd'hui, mon frère. Je pense que je mérite une vraie récompense. Quelque chose d'utile. N'ayez crainte. Vos efforts seront récompensés en temps voulu. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas une arme comme les autres. C'est l'un de nos artefacts sacrés. Reprenez votre route. Et soyez sans pitié avec les ennemis d'Atome. Ouais, pas mal, le marteau. Ouais, et je passe même pas le niveau. Ah, quels enfoirés. Bon. Alors, le Devoware, super. Je sais pas où la trouver, elle. Ah, zut. Hey, je peux faire quelque chose pour vous? Ouais. Tout ce que vous voulez. Alors, tout ce que je veux... Hop. Tiens, tu prends ça, mon grand. Ça aussi. Le fusil de précision. Voilà. Allez, en dessous, d'accord. Comment je fais pour descendre là? Oh là là, il faut que je refasse tout le tour. Non, c'est bon. J'avais pas vu l'échelle là. Là, c'est un mec. Hein. Je veux dire, gloire à... Oh, attendez. C'est vous qui venez de nous rejoindre, pas vrai? Vous avez vu le frère Devin? Un type a l'air malade qui prie tout seul dans son coin. Qui? Le frère Devin. Un maigrichon qui vit près de l'entrée de la baie. Il commence à ressembler à une goule avec des cheveux. On peut pas le rater. Le frère Devin jeûne, vous voyez? Depuis un bon moment. Il mange plus rien et il boit que de l'eau irradiée. Il attend un signe d'Atome. La plupart des gens diraient que c'est admirable de s'offrir à Atome comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est son choix, non? Qui sommes-nous pour l'en empêcher? Facile à dire, mais... Écoutez, Devin et moi, on n'est pas nés avec la bénédiction d'Atome, contrairement aux autres. Les radiations nous touchent. Maintenant, Devin pense que s'il jeûne et refuse tout traitement jusqu'à la mort, Atome lui enverra une révélation ou je ne sais pas quoi. J'ai bien essayé de lui parler, mais il veut plus m'écouter. Et je suis apparemment le seul ici à ne pas l'encourager à se laisser mourir. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais j'aimerais vraiment que vous essayiez de le faire changer d'avis. Je vous donnerai un traitement anti-radiation que j'ai concocté, avec la recette aussi. C'est vraiment pratique pour les gens comme nous. Alors... Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez bien aller lui parler de ma part? D'accord. Je vais aller lui parler. Oh, merci. Mais faites vite, s'il vous plaît. Il commence vraiment à avoir une sale tête. Bon. Maintenant, il faut...
c'est lui. D'accord. Salut. Saint Atome. D'ici, j'ai... Est-ce toi ? Oh, Atome. Oh, je suis désolé, mon frère. Je vous ai pris pour... Peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On dirait que vous attendez quelqu'un ? C'est le cas. Atome est venu à moi, et je ferai ce qu'il m'a ordonné. Et qu'est-ce qu'Atome vous a ordonné, au juste ? Il m'a dit que tout ce que j'ai à faire, c'est attendre le salut. Le Jet m'a servi de béquille pendant des années. Un jour, j'étais en train de me détruire dans les bois, quand une silhouette est apparue dans le ciel. Un cerf verdoyant, baigné d'un rayonnement sacré. Il m'a ordonné de retourner au noyau, d'oublier mes mauvaises habitudes, et de me consacrer entièrement à Atome. En échange de ma dévotion, Atome m'enverrait un autre messager qui me libérerait de mes chaînes une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi je dois attendre, mon frère. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. C'est moi, ce messager que vous attendiez, et je viens vous libérer de vos chaînes. Voilà. Mais tout ça doit rester entre nous, d'accord ? C'est vrai ? Les chaînes, elles ont disparu. Elles ne sont plus là, hein ? C'est pas bien de mentir, hein ? Merci. Merci, votre radiance. Et ne craignez rien, je n'en parlerai à personne. Oh, Atome tout-puissant, merci ! J'arrive pas à le croire. Mon messager ! Ouais, franchement, le... la bonne vieille réplique à deux balles... Protège-la au cours de ses voyages dans le brouillard. Where ? Atome tout-puissant, vous avez réussi. Tenez, chaque fois que je préparerai du remède, vous pourrez en avoir. Et si je peux faire autre chose pour vous, dites-le-moi. Je n'ai besoin de rien pour le moment. D'accord. Faites attention à vous. Ok. Bon. Bah oui. Il y a encore des enfants d'Atome qu'il faut que j'aide. Hein. C'est super. Salut. Le dernier venu de notre petite famille. Bienvenue, mon enfant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes au bon endroit. Vous n'avez pas l'air en forme. Tout va bien ? Ce sont de vieilles blessures, des souvenirs d'une vie agitée. Quel genre de vie agitée ? J'étais docteur. À Far Harbor, je suis tombée amoureuse d'un homme très pieux. Un homme qui nous a abandonnés depuis. Nous avons été chassés de la ville par ceux que notre union dérangeait. J'ai dû contrarier Atome aussi, vu qu'il m'a affligé de... ceci. J'espérais que vous pourriez me donner quelques fournitures médicales. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle, hein ? Ah bah c'est bien, j'ai récupéré plein de Steampack. Pour pas ch- Ouais, peut-être pas... Bon. Je crois que la grande division aura lieu bien avant que Sir Mai ne termine les réparations des arches de décontamination. Excusez-moi. Je me demandais quand j'aurais la chance de faire votre connaissance.
Je suis Sœur Mai. On dit que c'est vous qui avez reçu les faveurs de la mère du brouillard. Vous n'auriez pas aperçu en quoi consiste le test de loyauté du grand dévot par hasard? Si, je l'ai vu. Écoutez, c'est une leçon qu'il vaut mieux intégrer le plus vite possible. La confiance, c'est très important dans notre famille. Nos membres doivent apprendre à éviter les ennuis. Restez dans les bonnes grâces du grand confesseur et tout ira bien. À part ça, vous avez besoin de quelque chose? Et si le rayonnement vous dérange, je peux vous aider à vous en purger aussi. Vous disiez pouvoir m'aider à me purger du rayonnement? Ah oui. La plupart des nôtres ne craignent pas le rayonnement, mais Atom est un peu capricieux quand il s'agit de décider à qui il offre sa bénédiction. Donc on garde toujours des médicaments anti-radiation sous la main, au cas où. La plupart des gens d'ici, dont le haut confesseur, considèrent cela comme une sorte de pénitence. Purgez-vous et embrassez à nouveau le rayonnement. Vous voulez jeter un coup d'œil à ce que je vends? Je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Eh bien, j'ai, comme qui dirait, un projet au point mort. Vous avez dû voir les anciennes arches de décontamination en arrivant, non? Ça fait un moment que j'essaie de les réparer, mais j'ai un sérieux problème. J'ai besoin d'un régulateur de pompe avec une sacrée résonance magnétique. Un modèle industriel, en gros. Et s'il y a un endroit sur cette île où on a une chance d'en trouver un, c'est l'usine Vimpop. Le problème, c'est qu'elle grouille de mutants. Mais si ça vous tente, je saurai vous récompenser. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez évoqué une récompense. Qu'est-ce que vous avez en tête? Si vous risquez votre vie pour mon petit projet, j'ai un vieux fusil radium que j'ai un peu bricolé. Rapportez-moi ce régulateur, et il est à vous. Pourquoi vous voulez réparer les arches de décontamination? Elles éliminent les radiations, non? Pas depuis que je les ai bidouillées. J'ai réussi à contourner les filtres, donc quand le régulateur sera en place, ce sera un excellent moyen de recevoir une grosse dose de rayonnement. Alors, vous voulez bien aller me le chercher? D'accord. Je vais aller vous chercher un régulateur de pompe. C'est vrai? Excellent. À mon avis, vous devriez le trouver près de la salle de mélange. Simplement, faites attention là-bas, d'accord? Sinon, vous voulez voir ce que j'ai? Voyons ce que vous avez. On ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors... c'est quoi ça? C'est un fusil plasma? Bon. Le truc d'atome, on s'en passera. Voilà. Il me faut des 12 mm aussi. Ouais, il me semble que c'est du calibre 45. Je vais vendre un peu tout ce que j'ai, la drogue, tout ça. Alors... Ultra Jet... Vous avez vu la mère du brouillard. Atom doit vous protéger. Ouais. Et c'est pour ça qu'il me tient la jambe. Alors, préparation en cours.
Faites attention à vous. De nombreux dangers nous guettent. Alors, où est-ce que la usine? Voilà. Elle se trouve au sud. Hein. Ouais, si je prends à partir de l'église en ruine, ça devrait aller. Ce qui est agréable, c'est que je ne supporte que je n'ai plus à supporter trop les radiations. Bon, à Paris, c'est bien sûr, mais ça, c'est encore une autre histoire. Que je peux contourner ou pas. Ah zut, je suis tombé. Une bonne de prendre à la gueule et c'est bon.
gueule que tu vois. On va les démasquer. Et là, j'ai fait. Ah bah ça, c'est sûr. Je l'avais bien endommagé, le bestio. Donc, forcément... Allez, une tête en moins. Ça y est. Eh ben, vous avez pas de raison. Voilà. Je commence. Explosé. C'est quoi? Fragment de crâne.
truc avec les super mutants, c'est qu'il faut vraiment utiliser les armes lourdes, quoi. Recette vime. Très joli. Alors, scratch militaire. Y a pas des munitions dans le coin. Pour un petit retour dans l'usine. Oh bah Nick, il s'est fait repérer. Voilà. Ces derniers ennemis, je les ai tués pour la plupart. Je peux bouger. Voilà. En fait, je me dis que quand je jouerai à Skyrim, je me ferai un voleur. Je pourrais peut-être régler tout. Toutes les missions de la même manière que je les règle là. Alors. Ah, ça m'ennuie ça, je ne sais même pas où est passé Nick. Ah bah le voilà. Que la fragmentation vous apporte la. Il doit me prendre pour un vendu.
sacré paquet de radiation ici. Faut pas qu'on prenne. Je me demande pourquoi les habitants de Far Harbor rejettent Atom. Ils n'ont pas envie de libérer les mondes qui sont prisonniers en eux. Mai? Ah, vous revoilà. Merci d'avoir accepté de trouver ce régulateur de pompe. Vous voulez jeter un œil à notre stock? J'ai enfin récupéré le régulateur de l'usine Vimpop. C'est vrai? Ouais, fantastique. Le régulateur devrait parfaitement s'insérer dans l'appareil en bas. Et mon système de contournement des filtres devrait faire le reste. Sauf erreur de ma part, ces arches devraient bientôt vaporiser de l'eau irradiée à point pour tous les enfants d'Atome. Et comme je n'y serais pas arrivée sans votre aide, je me disais que vous méritiez de baptiser ce petit bijou. Vous voulez brancher la dernière pièce? Vous voulez bien l'allumer? J'ai pris énormément de risques pour vous rapporter ce truc. Je crois bien avoir mérité quelques capsules. Ça me semble honnête. Je peux vous en donner, disons, 150. Si vous aviez vu cet endroit, vous auriez honte de me proposer si peu. Il y avait des mutants du sol au plafond. Mince, carrément. Bon, d'accord. Va pour 250. Bien sûr, pas de problème. Excellent. La pompe est dans la baie. Ça devrait être simple comme bonjour. Tenez, au fait, pour ce que vous avez fait. Voilà. Hey! Vous avez besoin de... Alors... Fusil radium. On ignore 30% de la résistance de... Voilà. Quelque chose? Pas. Comme ça, l'autre. Voilà. Avez-vous vu la sœur Aubert? Je me demande si elle est partie en pèlerinage. Ah oui, la sœur Aubert, c'est celle dont je me suis occupé. Ah, il faut que je le branche plus bas. Un peu de radix. Intelligence, j'ai 2, 4, 6. Ouais, je vais me rajouter un point histoire de dire que.
ce vieux robot qui vit dans l'observatoire a aidé Far Harbor. Hérésie. Voilà. Je vais quand même essayer de voir si l'autre il veut bien m'aider maintenant. Je tremble de tous mes membres devant la majesté d'Atom. Excusez-moi, grand confesseur. C'est toujours un honneur de recevoir les favoris d'Atome. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Parlez-moi de la mère du brouillard. La mère est l'un des messagers d'Atome les plus honorés. C'est elle qui nous a guidés il y a fort longtemps, lorsque nous avons été chassés de Far Harbor. Elle nous a guidés à travers les étendues sauvages, jusqu'à ce sanctuaire. Sans elle, nous aurions tous été perdus. C'est un grand honneur qu'elle vous fait en vous portant autant d'intérêt. Accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de mes questions ? Comment pourrais-je le refuser à une personne si dévouée à notre famille ? Que voulez-vous savoir ? Qu'est-ce qui est arrivé au confesseur qui vous a précédé ? Martin, nul ne le sait. Une nuit, il est allé dormir dans sa chambre à bord du vaisseau comme à l'accoutumée. Et on ne l'a plus jamais revu. Les autres fidèles et moi-même sommes partis à sa recherche. En vain. Cela ne m'étonnerait pas qu'il soit parti vivre à Far Harbor ou dans le sud. Son dévouement envers Atom était devenu discutable. Il n'a rien fait lorsque Far Harbor a exécuté l'un de nos missionnaires. J'ose donc affirmer que sa fuite était dans son intérêt. Qu'est-il arrivé à ce missionnaire ? Une ignoble atrocité. Notre brave frère Andrews a décidé d'affronter le brouillard afin d'apporter la lumière d'Atome à cette horrible ville et rappeler à ces barbares tous leurs péchés. D'après ce que j'ai entendu, il n'a même pas eu le temps de parler avant d'être exécuté de sang-froid. Pour aucune autre raison que sa dévotion. Les monstres. Rien d'autre à ajouter pour le moment. Qu'Atome vous garde. Alors... Le truc, c'est qu'il faut que j'aide à peu près tout le monde. Plan de qui ou de quoi ça? Cette histoire de plan et après bah, j'arrêterai jusqu'à la prochaine fois. Allez, d'accord.
Vous avez entendu ça? Je dois me faire une idée. Allez. C'est quoi cette mission? De voler des plans à la confrérie de la scie. Ah, c'est ça. C'est tout. Hop. Tout ce dont vous avez besoin sera trouvé plus cher. Voilà, bon bah pour ce soir, je vais en rester là. Et donc je continuerai, je pense, jeudi, si tout va bien. D'ici là, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. N'hésitez pas à visiter mon Facebook, à me soutenir. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.